allons réaliser ensemble une robe de plage en coton. Alors c'est très facile à réaliser, vous allez voir. C'est du coton avec un grand fil, avec un grand crochet. Si vous voulez faire quelque chose de plus léger, parce que j'ai eu il n'y a pas longtemps le commentaire d'une de mes abonnées sur une autre de mes vidéos qui me disait qu'elle trouvait que le haut était un peu lourd. Forcément, si on prend un fil épais, on va avoir un ouvrage qui va être lourd. Si vous prenez un fil plus fin et un crochet plus grand, vous allez avoir des grands maillages très aérien et très sympa pour l'été. Celui-ci, je l'ai fait pour une copine, mais je trouvais le modèle tellement facile et en fait tellement rapide que je vais le faire à ma fille, à ma mère, et je suis en train d'en faire un pour moi aussi. Tu veux dire quelque chose? C'était pour dire que si vous voulez une robe plus courte. Voilà, vous pouvez la faire plus courte, plus longue, plus large, moins large. Vous pouvez aussi, si vous voulez pas on voit trop votre maillot de bain et tout, vous pouvez aussi faire les maillages plus serrés en prenant un crochet plus petit et un fil plus fin. Voilà. Plus grand. Ouais. Mais c'est ça, elle a tout compris. Si vous voulez suivre mon tuto, à tout de suite. Alors, il va vous falloir du fil de coton, des aiguilles à tricot, des ciseaux. Moi, j'ai utilisé un crochet numéro 5, des crochets Suzanne Bates. À chaque fois, je fais effectivement la pub sur ces crochets parce que vraiment, j'adore ces crochets, j'utilise que ça. Je vous laisse le lien dans le descriptif de la vidéo. Vous allez avoir besoin d'un mètre de couture et du fil de coton. Alors moi j'ai acheté ces packs, on peut dire, de fil de coton chez Hobby. Je connaissais pas. C'est vraiment pas cher, je crois que c'est 11 et quelques le pack en fait de 10 pelotes de 50 grammes. Chaque pelote fait 50 grammes. Donc avec un sachet comme ça de 10 pelotes, vous avez 500 grammes. C'est exactement ce que j'ai utilisé pour faire une taille S. Sachant que c'est une robe qui se porte un peu large, vu que c'est une robe de plage. Donc forcément, moi j'ai utilisé plus de fil pour faire une taille S, mais qui va se porter large. Donc par exemple, si vous faites une taille M ou même L, bon, vous allez prendre plus de 500 grammes, vous allez prendre peut-être 600-700 grammes. Voilà. Alors nous allons créer deux pièces, un devant et un derrière. Ici, je vous ai marqué le nombre de rangées que j'ai faites. On va partir du bas vers le haut. Et là, je vous ai marqué en fait le nombre total de rangées que j'ai faites en double bride. Sachant que c'est un point qui se fait en bride, enfin en double bride et en maille serrée. J'ai compté les doubles brides, vous allez voir, je vais vous montrer ensuite. Alors, c'est un total en fait de 26 rangées de hauteur, d'accord? Et ici, pour le devant, bien sûr, j'ai fait 24 rangées et ensuite 2 rangées de plus pour en fait le niveau des épaules. Ce qui donne un total de 26 rangées. Ça, c'est les mesures en centimètres, hein. Toujours pour une taille S. Là, j'ai mis S, M parce que ça dépend. Si vous la voulez large, vous prenez. Si vous la voulez large, la robe, sachez que ça, c'est une taille S. Comme je disais tout à l'heure, ça se porte assez large. C'est une longueur de 72 cm de hauteur et une largeur de 49 cm. D'accord? Et ici, pour les épaules, c'est 5,5 cm de ici de hauteur, d'accord? Quoi dire ensuite alors? Pour les tailles, comme je vous disais tout à l'heure, on va partir du bas vers le haut et on va travailler en rangée, c'est-à-dire de droite à gauche, tac tac tac, pas en rond. Donc nous allons partir d'une base de maille chaînette, de maille en l'air. Moi j'ai compté pour une taille S, 80 mailles en l'air, une taille M, 90 mailles en l'air, une taille L 100 mailles en l'air, une taille XL 110, une taille XXL 120, 130. C'est un point qui se crochette
avec une base de maille paire. Et voilà, on va démarrer le tuto. Je vous montre ici en fait le point, d'accord? On va commencer, comme je vous disais, hein, par le bas, vous voyez, sur la largeur. Le bas, on va lui faire une bordure, enfin, en fait, trois rangées de mailles serrées. Et ensuite, on va attaquer la double bride, enfin, la rangée de double bride, la rangée de mailles serrées, la rangée de double bride, mailles serrées, double bride, mailles serrées. Voilà. En fait, c'est un point qui est très, très, très facile à réaliser. Et c'est très, très rapide également, vu qu'en fait, j'ai choisi un fil assez large et un crochet assez grand. Oups, un crochet assez grand. Donc, on va démarrer par, donc moi dans mon cas, hein, 80 mailles en l'air. Donc, une, je vous conseille de cette première chaînette de ne pas la crocheter trop serrée. D'accord? 2, 3, 4. Et voilà, 80 mailles en l'air. Vous allez tourner complètement la chaînette, d'accord? Et on va travailler sur la maille qui est de dos. Donc, on va pas prendre la maille de dos de cette maille ici, mais de la... je la remets à l'endroit. Donc, pas sur celle-ci, mais sur la deuxième. Donc, vous tournez ici, tac. Et vous voyez la maille ici de dos, vous prenez, vous rentrez, vous faites une maille serrée. La prochaine, pareil, on prend la maille de dos et on fait une maille serrée. Et on va revenir donc sur notre chaînette en faisant des mailles serrées avec le dos de la maille. Bon, vous allez voir, on a un peu de mal à l'attraper au début. Aidez-vous de vos ongles. C'est d'où l'intérêt, en fait, de crocheter cette première chaînette vraiment souple. Hein. Et vous voyez, en fait, l'intérêt, c'est que de l'autre côté, on a une bordure de mailles serrées. D'accord? On va finir cette rangée. Donc, en faisant ça. Et on se retrouve à la fin de la rangée. Et voilà. J'ai terminé ici la première rangée. Et là maintenant, on va faire une deuxième rangée de mailles serrées. Donc on va monter une maille en l'air et on va tourner l'ouvrage. Dans cette même maille ici, on fait une maille serrée. On prend les deux brins de la maille. D'accord? Et on fait donc... Pour cette deuxième rangée, simplement des mailles serrées jusqu'à arriver à l'autre extrémité de la rangée. Et voilà, j'arrive ici à la fin du tour. On n'oublie pas la toute dernière maille serrée. Hop. Pas le tour, pardon, la rangée. Alors, pour cette troisième rangée, on va faire la même chose. On monte une maille en l'air, on tourne, on fait une maille serrée ici dans la première maille serrée. Et on fait une troisième rangée que de mailles serrées. D'accord? Et ensuite, on va commencer le motif. Donc, la rangée de double bride, la rangée de mailles serrées, la deuxième rangée de double bride et la rangée de mailles serrées. Je vais vous montrer en fait... 4 rangées du motif et ensuite on continuera, on répétera en fait ces 4 rangées de motif pour obtenir la hauteur que l'on souhaite. On se retrouve à la fin de la rangée. Et voilà, j'arrive ici à la fin de la rangée. Hop, et une dernière maille serrée dans la première maille serrée. Voilà, nous avons ici notre bordure. Et on va entamer la première rangée de double bride. On va monter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Ces 4 mailles en l'air seront l'équivalent de notre première double bride. Puis on va faire une maille en l'air de plus de séparation. On tourne l'ouvrage ici.
Et on va faire une double bride, donc non pas mis dans la même maille ici. On va sauter la première maille serrée et on va la faire ici, d'accord? Une double bride, on fait deux jetés sur le crochet, on saute donc la première maille serrée et dans la deuxième maille serrée, on fait notre première double bride. On passe dans la deux premières boucles du crochet, on prend du fil, on passe dans les deux boucles suivantes, on prend du fil et on passe dans les deux dernières boucles. D'accord ? On fait une maille en l'air, puisqu'on va sauter la maille serrée suivante, on fait deux jetés sur le crochet. Dans la maille serrée d'après, on fait notre double bride. Ok, ça ressemble à la bride. Mais on passe trois fois. Une maille en l'air, on fait deux jetés sur le crochet, on saute la maille serrée suivante et dans la maille serrée d'après, on prend du fil. Vous voyez, on a ici quatre boucles sur le crochet. On prend du fil, on passe dans les deux premières. On prend du fil, on passe dans les deux suivantes et on prend du fil, on passe dans les deux dernières. Une maille en l'air. Et on continue comme ça, d'accord? On saute une maille serrée. Une maille en l'air, on saute une maille serrée. Et dans la maille serrée d'après, une double bride. Et on va continuer ainsi jusqu'à la fin de la rangée. On arrive ici à la fin de la rangée. Vous voyez qu'il nous reste deux mailles serrées. On fait une maille en l'air et on termine, on saute la maille serrée suivante et dans la dernière maille serrée, on fait notre dernière double bride pour ce tour. Voilà, on a notre première rangée de double bride. Tout de suite ici, on va attaquer et on va faire la deuxième rangée et ça va être une rangée de mailles serrées. On fait une maille en l'air, on tourne l'ouvrage. Et ici, dans la même maille, on fait notre première maille serrée. D'accord ? Dans l'espace suivant, l'espace de la maille en l'air, on fait une maille serrée. En haut de la double bride, on fait une maille serrée. Dans l'espace ici de la maille en l'air, on fait une maille serrée. En haut de la double bride, une maille serrée et on va faire ça sur toute la rangée et ça sera la rangée numéro 2. Ensuite je vous montre comment alterner puisque la rangée suivante ce sera une rangée effectivement de double bride qu'on va faire entre les deux. D'accord ? Je vais vous montrer. On se retrouve à la fin de la rangée. Voilà, on arrive ici à la fin de cette rangée. Là, je viens de faire une maille serrée dans la maille en l'air ici. On fait une maille serrée en haut de la double bride ici. Et vous vous souvenez, ici, on a fait 5 mailles en l'air tout à l'heure. On va faire une maille serrée à l'intérieur ici. Et on va compter 1, 2, 3, 4. Dans la quatrième maille en l'air, on va faire une dernière maille serrée. D'accord ? C'est très important que vous suiviez vraiment le pas à pas pour avoir un bon résultat. Ensuite, pour ce troisième tour de motif, hein, on va dire que là, c'est la rangée, pardon, on va dire que cette première rangée de double bride, c'est la première rangée du motif. Là, la deuxième rangée du motif. Là, on va faire la troisième rangée du motif. On va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On va tourner ici l'ouvrage. Hop. Et on va faire une première double bride dans la première maille serrée. C'est-à-dire celle-ci. Ensuite, une maille en l'air. Et on va répéter. En fait, on commence ici pour alterner. Vous voyez, entre les deux doubles brides qui sont là, on en fait une ici. Ensuite, on saute la maille serrée suivante. Dans la maille serrée
suivante, une double bride, puis une maille en l'air, on saute la maille serrée suivante dans la maille serrée suivante, une double bride, puis une maille en l'air, on saute la maille serrée suivante et dans la maille serrée d'après, on fait une double bride. Voyez? Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin de la rangée. Pour finir ce troisième tour, vous voyez qu'ici on a une, deux, trois mailles serrées. On a fait notre dernière double bride ici et notre maille en l'air ici. D'accord? Donc on va sauter la maille serrée suivante et dans la suivante on fait une double bride. Et on termine ici le tour en faisant une double bride dans la dernière maille serrée. Là ici on ne fait pas de maille en l'air, pardon. On va directement dans la dernière maille serrée et on fait une double bride. Donc on a deux doubles brides collées. On va faire notre quatrième rangée de motifs en faisant une maille en l'air et là on va revenir effectivement en refaisant une rangée de mailles serrées. On fait une maille serrée dans la même maille, puis ensuite une maille serrée dans la double bride, en haut de la double bride suivante, puis dans la maille en l'air suivante, une maille serrée, dans la double bride suivante, une maille serrée, dans la maille en l'air suivante, une maille serrée, dans la double bride suivante, une maille serrée, dans la maille en l'air suivante, une maille serrée, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la rangée. On arrive ici à la fin de cette rangée, on a fait une maille serrée ici, on fait une maille serrée dans la double bride, hop, et on termine par une maille serrée dans ici la quatrième maille en l'air de tout à l'heure. Hop. Et voilà. Je vous ai montré le motif. Maintenant, il suffit de continuer. Moi, je vais faire... Alors, tout à l'heure, je vous disais, hein, j'ai fait... 26 rangées de double bride. 1, 2, 3, 4, etc. Et je vais commencer par le dos de la robe. Bien sûr, je n'ai pas compté les mailles serrées. Donc, c'est vraiment, pour moi, la terminaison, enfin, ça se termine en fait en faisant une rangée de mailles serrées. C'est-à-dire que le motif, il va... par deux, c'est-à-dire la double bride, la maille serrée, la double bride, la maille serrée, d'accord? Et on va continuer comme ça, donc moi je vais faire effectivement alors 26 rangées hein, de double bride, effectivement bien sûr, hein, ça va avec la rangée de mailles serrées. Ce qui fait qu'en fait, en total, je devrais avoir 52 rangées, puisque je vais faire 52 en comptant bien sûr la double bride et la maille serrée, d'accord? La double bride, la maille serrée, la double bride, ça fait 52 en comptant que les brides, mais bien sûr que ça va avec la maille serrée, je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer correctement, ça fait effectivement 26 rangées de double bride. Bon, je vais commencer donc par le dos et ensuite on fera le devant, je vous montrerai comment on fait les épaules. On se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fait, ça c'est l'avant, donc j'ai fait 24 rangées, et ça c'est l'arrière, voilà. On termine en faisant une maille en l'air ici, en coupant le fil et en fermant, d'accord? Pour la partie arrière, où il y a 26 rangées. Donc on va le laisser de côté celui-ci, et on va s'attaquer au niveau des épaules, on va faire les épaules, d'accord? On termine bien sûr sur notre rangée de mailles serrées. Et ici, on va faire deux rangées d'un côté et... Enfin, une rangée d'un côté, bien sûr, et une... Enfin, non, deux rangées, pardon. Deux rangées, donc, de double bride et de mailles serrées d'un côté et de l'autre.
Alors ça va dépendre un peu de la taille de votre haut. Pour celui-ci, je vais faire une largeur de, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 doubles brides d'un côté et 1, 2, 3, 13 doubles brides de l'autre côté. D'accord? On commence ici. Là, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On saute la maille ici, donc la double bride suivante, et on va faire une double bride dans la maille serrée suivante. Donc, ça fait une double bride avec les 4 mailles en l'air ici du début, la cinquième étant la maille de séparation. Une deuxième double bride, une maille en l'air. Trois, oups. Une maille en l'air. Voilà, quatre. Une maille en l'air. Cinq. Une maille en l'air. Six. Une maille en l'air. Sept. Une maille en l'air. 8. Une maille en l'air. 9. Une maille en l'air. Oups. 10. Une maille en l'air. 11. Une maille en l'air. 12. Une maille en l'air. Et 13. Et une double bride. Voilà. On s'arrête ici. Et on va faire donc une rangée de mailles serrées. Une maille en l'air. On tourne l'ouvrage. Une maille serrée dans la première bride. Et donc, on va faire des mailles serrées jusqu'à l'autre extrémité et on repartira sur une troisième rangée de double bride et on terminera par une quatrième rangée de mailles serrées. On se retrouve à la fin de cette rangée. À tout de suite! Voilà, on arrive à l'extrémité de la rangée. On termine en faisant une maille coulée ici et dans la quatrième maille en l'air, on fait une maille serrée. Et là, on va refaire une rangée donc de double bride. On va monter 5 mailles en l'air. Une, deux, non, pardon, 4. 3, 4. On tourne. On fait une double bride ici dans la maille serrée suivante. Et après, on va faire donc comme en fait ce qu'on a fait depuis le début, hein, on va juste rajouter une deuxième rangée de double bride. Et ensuite, on terminera par la rangée de mailles serrées. Et ce sera tout pour les épaules. On terminera par la couture et ce sera fini. Vous voyez qu'il n'y a rien de plus simple. Et voilà les amis, quand vous avez fini, vous allez faire ici une maille en l'air. Et puis vous allez laisser un assez long morceau de fil que l'on va utiliser pour la couture ici en haut de l'épaule et la partie, le dos de la robe. Donc vous allez pardon, laisser un assez long morceau de fil. Voilà. Et vous allez passer le fil à travers
vous allez serrer ici. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, on va faire la même chose ici. Donc on va rentrer dans la toute première maille serrée. On va faire une boucle avec le fil. Et puis on va rentrer la boucle à l'intérieur. On va la serrer, hop. On passe ici. Et là, on va faire une maille en l'air pour fermer. D'accord? Et ensuite, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Souvenez-vous, les 4 premières brides sont l'équivalent de notre première double bride. On va sauter la maille serrée suivante et dans la maille serrée suivante, on fait notre double bride, deuxième double bride. Et ainsi de suite, souvenez-vous, on en fait 13. Et on va faire après exactement la même chose que l'autre côté. Et voilà, une fois que vous avez terminé les épaules, vous voyez, on a les deux rangées en plus, ici et ici. On va simplement coudre la partie en haut avec le fil qu'on a laissé, souvenez-vous, ici et ici. Pour coudre, je vous montre. On va prendre la partie de devant, la partie de derrière et on va attraper l'intérieur de la maille. D'accord? Vous voyez que la maille est constituée de deux brins. On va prendre l'intérieur du brin. Alors, on sécurise toujours plus les bords, c'est-à-dire on peut passer plusieurs fois. Et ensuite, avec les autres mailles serrées, hop, on prend les brins à l'intérieur. Donc le brin intérieur de la partie de devant et le brin intérieur de la partie de derrière. Et on va faire ça donc des deux côtés des épaules. Hein, on va unir ces deux parties-là. Puis on terminera par unir les parties latérales, donc sur les côtés de la robe. Excusez-moi, des fois je dis haut, robe, enfin bon, c'est parce qu'effectivement vous allez pouvoir le porter comme un haut, comme une robe, comme vous voulez. Voilà. On se retrouve tout à l'heure. Là, quand on arrive ici à la fin de la couture au niveau de l'épaule, pour cacher les fils, on va traverser simplement. Alors, on termine bien sûr par un petit nœud. On fait avec l'aiguille comme en couture pour terminer un ouvrage. Et là, on va traverser pour cacher tous les fils. On va les traverser à travers les mailles et on va faire un aller-retour. Vous sentez que c'est bien serré, ça veut dire que le fil va être bien coincé. Voilà. Et ensuite, on coupe à ras le fil. Voilà. Et c'est comme ça que l'on va cacher ensuite tous les petits fils que nous avons par-ci par-là. Alors là, pour vous expliquer, j'ai mis le haut de profil. Alors, vous voyez qu'ici, on a une épaule et là, on a l'autre. Pour vous situer, on va coudre maintenant le côté. Alors, de la même façon qu'on a cousu le haut, on va coudre le bas. Alors, moi, je vais laisser à la fin. Je vais pas coudre, en fait, jusqu'à la fin de la robe, puisque je vais laisser une petite ouverture. Et ici, alors, après, c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez faire l'ouverture du l'emplacement du bras. Mais moi, je pense que à ce niveau-là, c'est bien, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, à partir de la sixième rangée, voilà, coudre
jusqu'à laisser pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées en bas pour lui laisser donc une petite ouverture sur chaque, de chaque côté. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez coudre jusqu'en bas hein, et faire deux côtés donc fermés. Voilà, vous allez faire exactement la même chose. Alors là, c'est un peu plus compliqué puisqu'on va voir les brides de profil. On va voir les brides de profil. Donc mon conseil, c'est il n'y a pas vraiment de règles quand c'est comme ça. Sachez que les brides, c'est des doubles brides. Vous vous souvenez, c'est 4 mailles en l'air. Moi, je dirais qu'il faut piquer. Pas, enfin, un peu au hasard. Et en plus de ça, je vais vous conseiller de faire des esmassements réguliers. C'est-à-dire, voilà, vous allez coudre. Alors, au départ, vous faites un nœud hein, pour bien bloquer le fil. Hop. Et puis ensuite, vous allez essayer. Alors, moi, je vais essayer d'attraper un brin de chaque côté, comme on a fait pour les épaules. Voilà, vous voyez les mailles en fait, les mailles en l'air de profil. Vous allez prendre un brin d'un côté, un brin de l'autre, en essayant de respecter à chaque fois les mêmes emplacements, enfin les mêmes espacements. Et puis, quand on arrive à la rangée ici, deux mailles serrées, ben là c'est plus facile, enfin c'est plus facile, c'est pareil, hein. Essayez bien sûr de respecter les rangées, c'est-à-dire les faire bien continuer. C'est-à-dire les rangées de devant, les rangées de derrière, qu'elles soient alignées. Et puis voilà, on va coudre comme ça, d'un côté et de l'autre. D'accord? Puis après, je pense qu'on aura terminé. Alors, vous pouvez faire une finition au niveau du col. Finition au niveau du col, c'est-à-dire une rangée de mailles serrées tout autour du col. Mais vous n'êtes pas obligé sur ce genre de pièces. On se retrouve à la fin. À tout à l'heure. Voilà les amis, moi j'ai terminé. Je vous montre ici la petite ouverture. Voilà, il nous reste plus qu'à cacher le reste des fils et on a terminé. Voilà les amis, ce tuto est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez aimé, likez, n'oubliez pas de vous abonner, commenter, partager partager et aussi, oui, activer la petite cloche. Nous, on vous dit à très bientôt sur ma chaîne et surtout, prenez soin de vous et aimez-vous. On vous souhaite. On vous souhaite de bonnes vacances. Profitez du soleil et de la plage. La vitamine D. Attention, le soleil, ça brûle. Alors, on vous dit à très très bientôt sur notre chaîne. On vous fait plein de bisous. Mouah, mouah, mouah. Ciao, ciao!